Bonjour à tous et excellente nouvelle année, mes meilleurs vœux pour 2023. Ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire, cette semaine, l'inquiétude des éleveurs kényans face à l'augmentation des cas de Nagana qui touche leur bétail. La maladie est transmise par les mouches tsetse. L'insecte provoque chaque année la perte de 4,5 milliards d'euros sur le continent. Le futur musée du Vaudoune à Porto Novo, le gymnase Blaise Pascal d'Abidjan ou encore les résidences Chocolat, autant de beaux projets menés par le duo d'architectes Guillaume Kofi et Issa Diabaté, ils sont nos invités. Pour finir, nous irons à Dakar à la rencontre de Lumungom, un créateur de mode au style unique. Entre manga et recyclage, il invente un univers fantastique et futuriste. La mouche tsetse tue environ 3 millions d'animaux d'élevage par an en Afrique subsaharienne. Au Kenya, elle est présente sur 23% du territoire. Malgré le développement de méthodes efficaces pour en débarrasser les humains, le bétail reste très touché. Cela inflige d'énormes pertes au secteur agricole. Voyez ce reportage d'Élodie Cousin. Une partie de ces vaches est atteinte de la nagana, transmise par les mouches tsetse. C'est l'équivalent de la maladie du sommeil. Celle-ci a été piquée par une mouche tsetse. À cause de ça, elle a perdu sa queue. Infectées, les bêtes deviennent faibles et léthargiques. Si elles ne sont pas traitées, elles en meurent. Le foyer s'est développé dans le parc national voisin. Cet endroit, le parc, est un lieu de reproduction pour la mouche tsetse. Cela a donc un impact négatif sur nos revenus et sur les personnes qui vivent autour du parc. Malgré des foyers dans différentes régions du Kenya, aucun humain n'est mort dans le pays ces 20 dernières années. Les autorités locales sont tout de même très préoccupées. Le fait qu'elle infecte toujours le bétail montre que l'homme est encore menacé. Et cela prouve donc que la menace de la mouche tsetse est toujours réelle. Dans ce laboratoire de Nairobi, les chercheurs multiplient les expériences. Ils ont récemment créé des répulsifs et des pièges. Ils travaillent en ce moment sur un test rapide destiné aux fermiers. You have to manage the disease in animals. Il faut contrôler la maladie chez les animaux et les protéger contre de nouvelles infections. Il faut également réduire le nombre de mouches afin de limiter leur contact avec les animaux. Il s'agit d'une approche multiple. Des recherches primordiales pour le continent. Chaque année, la mouche tsetse coûte à l'Afrique environ 4,5 milliards d'euros. C'est un duo d'architectes qui est devenu une référence. Leur mot d'ordre, être un leader de l'architecture avec l'ambition d'une écriture intemporelle reconnue. Ils ont conçu de nombreux projets qui vont du logement au bureau d'affaires en passant par des lotissements, des églises et des gymnases, notamment celui du lycée Blaise Pascal d'Abidjan, récompensé par le prestigieux World Architecture Award, ou encore le tout premier éco-quartier d'Abidjan. Bonjour Guillaume Kofi et Issa Diabaté, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous revendiquez une nouvelle approche du métier d'architecte. Quelle est-elle? C'est, on vit dans un environnement où nous avons besoin effectivement donc de fédérer les métiers pour pouvoir exercer donc le métier d'architecte qui ne s'exerce pas comme en Europe ou dans un environnement où il y a effectivement une industrie qui accompagne effectivement donc les métiers de la construction. Ici, nous vivons dans un environnement où tout reste encore plus ou moins à faire, et donc nous avons besoin effectivement donc de travailler en très étroite collaboration donc avec des artisans, avec donc des hommes donc de métiers de la construction, pour pouvoir effectivement donc être des architectes, mais être également donc des chefs d'orchestre donc qui animent et fédèrent donc des métiers pour pouvoir bâtir donc juste et de façon économique. Vous définissez votre rôle d'architecte en tant que gardien de la cité qui a un rôle central à jouer, en particulier dans le contexte africain. Quelles sont les spécificités pour le continent africain? Alors aujourd'hui, les spécificités du continent africain sont assez diverses et variées, et on arrive à un moment quelque part qui est un petit peu inédit, où on fait face à une forte croissance démographique, on fait face à une population qui est relativement jeune,
Donc, on est confronté nécessairement à des changements de paradigme, des changements de vision. Et il est important de pouvoir répondre de façon juste à ces changements et de pouvoir coller effectivement aux changements de la société. Du coup, quelque part, on est un petit peu obligé de réinventer notre pratique. Contrairement à la pratique que l'on a appris à l'école, on a besoin d'observer, de se décontaminer quelque part pour ensuite rebâtir une nouvelle pratique qui est plus adaptée à notre environnement. Vous souhaitez mettre l'habitat au cœur de votre démarche. Quelles sont vos propositions pour inviter les populations à vivre autrement ? La problématique donc, de l'habitat pour le plus grand nombre est une problématique auquel doivent faire face donc, l'ensemble donc, des gouvernements africains. Donc, pour ce faire, il faut effectivement donc, trouver des solutions qui puissent effectivement donc, répondre aux exigences d'assainissement, donc de salubrité, hein, pour pouvoir avoir donc, un habitat qui soit le plus adapté donc, effectivement, à l'environnement climatique. Et qui puisse être accessible également financièrement parlant donc au plus grand nombre. Pour cela, bien sûr, faire de l'habitat social, de façon générale, il faut une très forte implication de l'État. De quelle manière proposez-vous de remodeler les villes africaines afin de prendre en compte les enjeux de demain et de notamment répondre aux défis du dérèglement climatique et de l'urbanisation ? C'est déjà prendre en compte donc, les aménagements qui puisse permettre donc, un meilleur drainage donc, de tout ce qui est au pluvial, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de villes africaines, nous faisons face à des inondations donc, en période de saison de pluie. Et donc, mettre l'accent donc, sur le traitement de l'assainissement pour pouvoir effectivement gérer donc, ces problématiques. Et avoir également donc, des habitats plus groupés et qui fassent en sorte que, qu'on puisse véritablement se protéger donc de ces inondations-là. Et la vraie question aujourd'hui, c'est quelle vision urbaine pour nos villes africaines, de quelle façon est-ce qu'on doit composer nos espaces urbains. C'est des réflexions que nous menons et nous sommes probablement quelque part en passe de trouver des solutions qui pourraient fonctionner. Sachant que l'un des premiers problèmes, c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on gère plusieurs personnes, surtout en période de croissance démographique, sur un même territoire? Quels sont les moyens par lesquels on communique? Comment est-ce qu'on régule la cité? Et il est important de voir que dans des espaces traditionnels plus petits, c'est des choses qu'on arrivait à faire. Tandis que quand on arrive en ville, tout simplement parce que la gouvernance est atomisée, on n'arrive plus à avoir la même maîtrise sur le comportement citoyen. Donc, il est intéressant de pouvoir rebâtir un urbanisme qui, lui, est plutôt centré sur l'humain, de sorte à ce qu'on puisse avoir des environnements développés cohérents. Vous travaillez sur la réalisation du musée international du Vaudoune à Porto Novo, au Bénin. Pouvez-vous nous décrire à quoi ressemblera ce nouveau lieu ? Alors, c'est une typologie de musée qui est, pour nous, innovante. Qui est basé sur une architecture traditionnelle du Bénin, où on va retrouver en fait des espèces de calebasses qui finiront par abriter tout le contenu du musée. On a à peu près 6 différentes calebasses qui sont des pièces thématisées, avec une façon de présenter le vaudou qui le décomplexe en fait de tout ce qu'on a pu entendre sur le vaudou précédemment. Et de faire en sorte que ce soit véritablement un lieu culturel où on apprend et on comprend plutôt qu'un lieu où on va peut-être surfer sur des impressions pour rentrer au cœur de la problématique du vaudou. Merci Issa Diabaté et Guillaume Kofi d'avoir été les invités d'Afrique Hebdo. Merci. Merci. Partons maintenant au Sénégal pour découvrir l'univers original de Lumungom. Ce jeune créateur d'Akaro invente des looks futuristes qu'il crée à partir de matériaux recyclés. Un style éco-responsable que nous font découvrir nos correspondants Sarah Sako et Mbaidir. Grand Yoff, un quartier populaire au cœur de la capitale sénégalaise. C'est ici que Lumungom, 24 ans, a installé son atelier. Ce passionné, autodidacte, crée des pièces uniques, des vêtements directement inspirés de son univers fantastique et futuriste.
Je suis tellement connecté pour la future. C'est pour ça que j'ai pensé de faire des trucs un peu dingues. Souvent, les gens me disent que si on fout et tout. Loumou travaille à la commande et vit de son art. Ses pièces ont habillé plusieurs artistes sénégalais de renom, notamment dans leurs clips vidéo. Les murs de son local trahissent ses deux passions, les mangas et la haute couture. C'était à l'âge de 9-10 ans que j'ai commencé à modifier mes propres pièces, quoi, comme mes propres tenues que mes parents m'achetaient pour moi, pour être différent avec les autres. Quoi. La signature du créateur, le recyclage. Pour trouver sa matière première, il se rend régulièrement à Koloban, le tentaculaire marché de la fripe. Loumou en est convaincu, une mode plus durable est incontournable. Tu peux tout trouver ici hein, pour moi. Même des chaussures, des trucs que tu pourrais faire à nouveau. Là déjà j'ai trouvé un petit veste que j'ai trouvé, c'est trop nice. Début décembre, Loumou a été sélectionné par la Dakar Fashion Week, le principal rendez-vous de la mode au Sénégal. Un début plein de promesses pour le couturier. Mon premier défilé, du coup, on peut dire que c'était mon rêve. Hein. Participer à Dakar Fashion Week pour montrer les Dakarois mes trucs, mes modèles. Quoi. Parce que souvent les gens pensaient que je suis pas sénégalais alors que je suis un vrai sénégalais. Quoi. La styliste Adama Paris a eu un coup de cœur pour le jeune créateur. Il est vrai. Il a un vrai univers, complètement déjanté et j'aime vraiment cette fraîcheur que c'est un artiste. Un succès pour Loumou qui le rapproche de son rêve d'enfant, devenir un designer internationalement connu. Un des plus grands sarcophages de l'Égypte antique restitué au Caire par les États-Unis, vieux de 2700 ans, il était exposé au musée des sciences naturelles de Houston. L'antiquité avait été volée dans la nécropole d'Abou Sir, surnommée sarcophage vert en raison de la couleur de la peinture du visage sur le bois du cercueil. Il s'agit de l'un des plus grands sarcophages pharaoniques de bois jamais découverts. Long d'environ 3 mètres, le couvercle à lui seul pèse presque 500 kilos. Et c'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Peace, salam, paz, pace, mur, paz, angapi, santé, vie, love you, aman, mabeng, paz, jam, la paix, zamalafia, sol, mir.